On va tester dans cette vidéo un variateur Polini. Récemment, j'ai fait un sondage, vous avez été nombreux à vouloir tester un variateur et le variateur, il est enfin arrivé, il est derrière moi, il attend plus qu'à être déballé et à être testé. Le résultat du sondage, c'était que vous vouliez savoir ce que ça changeait de remplacer le variateur d'origine par un variateur de marque Polini. Donc j'en ai acheté un, c'est le High Speed. On va regarder ce que ça change sur une configuration d'origine débridée sur un booster Spirit de 2002. C'est une vidéo un peu particulière aujourd'hui parce que je vais vous faire gagner quelque chose, un petit cadeau. Je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour vous expliquer comment ça va se passer. Dans cette vidéo, on va commencer par déballer le petit carton qui est derrière moi et puis on va regarder en détail ce que contient le kit en question Polini. Ensuite, on va le monter sur le scooter. On va voir par étape comment on fait pour monter ce type de kit sur le scooter. C'est pas la première fois qu'on démonte le variateur, l'embrayage, mais c'est pas grave, on va le faire une nouvelle fois pas à pas. Puis on va tester la configuration qui se trouve dans ce carton sans réglage particulier, brut comme ça, brut de décoffrage. On va regarder ce que ça donne sur route avec des tests. Mais on va pas s'arrêter là dans les tests, on va faire des tests un petit peu pointus, on va titiller un peu les réglages pour voir si le kit qui est vendu est vraiment performant. Ou si on peut pas avoir les mêmes performances avec l'origine un petit peu modifiée. Ça vous va comme programme? Alors on y va. Allons voir ce que contient le petit carton. Alors qu'est-ce que contient la boîte? On va ouvrir la petite étiquette de qualité. On a tout d'abord la demi-poulie mobile avec sa flasque qui contient les galets. Donc est-ce qu'il y a des galets d'ailleurs? Hop. Alors on a des ressorts d'embrayage. On a une petite rondelle qui est en fait une bride. Bon, pour information, ils vendent ça avec cette bride. C'est pour pouvoir le vendre comme variateur homologué. Sinon, bah, ça donne trop de puissance et dans ce cas-là, c'est plus homologué. Donc c'est pour ça qu'ils rajoutent cette petite pièce. Mais ça, on va la laisser de côté et on va pas l'utiliser. Ça, c'est les guides à mettre dans la flasque. On va voir ça tout à l'heure. Ça, c'est le petit canon. Ok, bah, ils en redonnent un. C'est peut-être pas le même que l'origine. On va regarder ça. Et ils nous vendent des petits galets en plus qui font combien de grammes ceux-là? 6,9 grammes. C'est un peu lourd. Mais bon, on va leur faire confiance. Alors, c'est des galets de 16 par 13. Donc, c'est pas les mêmes que ceux qu'il y a d'origine sur le booster, qui sont de dimension 15 par 12. Et enfin, il y a un ressort de poussée avec une certaine dureté. Il a pas l'air très très dur, assez proche de celui d'origine. À première vue, le variateur, il ressemble beaucoup à celui d'origine. Moi, je suis assez sceptique. J'ai l'impression qu'on va pas avoir beaucoup plus de performance avec ce type de variateur. Bon, il est pas très cher non plus, hein. C'est pas un variateur de compétition. Donc, moi, je suis assez sceptique. J'ai l'impression qu'ils nous vendent simplement un variateur type origine avec des réglages, certains galets, un ressort de poussée et que l'alliance des deux est un bon réglage, mais que ces pièces-là sont pas forcément nécessaires pour avoir bah, des performances vraiment améliorées. Il n'y a que les tests qui vont pouvoir le dire. C'est parti! Pour mettre ce kit Polini, il va falloir s'attaquer bien sûr au carter de transmission. Comme tout bon tuto qui commence pour démonter un variateur ou un embrayage, bah, on démonte le carter de transmission. On y va! De batterie, mince. On enlève le carter, on ne perd pas les petits pions de centrage à gauche, à droite, et on les met de côté. On enlève le petit joint papier sans le déchirer, sinon faut le remplacer. Et voilà, le variateur, l'embrayage. On va démonter donc le variateur, puis l'embrayage pour changer le variateur par le variateur Polini et les petits éléments de réglage dans l'embrayage, à savoir les petits ressorts d'embrayage et le ressort de poussée. Pour démonter le variateur, vous savez, il y a différentes techniques. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, sur 5 techniques pour démonter le variateur. Il y en a deux qui sont à privilégier. Il y a bien sûr le bloc piston. Ça fait hurler certains dans les commentaires, mais quand même, le bloc piston avec le petit bout en plastique pour éviter d'abîmer le piston, ça abîme quand même pas tant que ça si on fait attention. Pour les habitués de la chaîne, vous le savez, moi j'aime bien utiliser le petit outil que je me suis fabriqué avec une imprimante 3D. Vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement le fichier STL pour pouvoir l'imprimer de chez vous si vous le souhaitez. Moi je trouve ça bien pratique, c'est assez rapide pour bloquer en rotation le variateur. Bien sûr, la technique la plus rapide, ça reste bien sûr la clé à choc, hein. On prend notre clé de 17 et on dévisse. On enlève notre élément de blocage. On enlève l'écrou. La rondelle conique, l'élément qui est entraîné par le kick, la flasque fixe avec sa rondelle étoilée, tout ça, on va le remettre. La petite rondelle aussi, on la récupère, on va la remettre aussi, on enlève la courroie, on la met de côté, et on prend notre ancêtre, notre variateur. Alors visuellement, on peut comparer les deux, c'est assez similaire. Hein. Donc les rayons ont l'air identiques, le canon, lui,
Le canon d'origine fait 17,9 et le canon 20. Voilà. Donc ça veut dire que la courroie, vraisemblablement, elle va moins descendre dans le variateur. On positionne les galets. Certains disent qu'il y a un sens dans les galets. Bon, ce qu'il faut, c'est les mettre tous dans le même sens. Vous voyez, il y a une partie plastique et une partie un peu ajourée. Donc je choisis de mettre le plastique sur la droite. Certains disent qu'avec la rotation du moteur, l'usure se fait de manière plus importante sur l'un des côtés. Bon, ça reste à démontrer. Il y a les deux qui se disent. On positionne sur la flasque arrière les petits guides. Au moins ils tiennent bien ces guides, hein. Sur l'origine ça fait que de tomber, c'est pas plus mal. On prend notre demi-poulie mobile, on y insère la flasque. Voilà. On met le canon dans la demi-poulie mobile. On le positionne sur notre arbre. On détend les mâchoires de l'embrayage, on repositionne la courroie, on met la petite rondelle, la demi-poulie fixe avec sa rondelle étoilée, la pièce d'entraînement du kick, la rondelle épaisse conique et notre écrou. On bloque en rotation le variateur. Et on serre avec une clé de 17. On enlève notre élément de blocage. Et voilà, le tour est joué du côté du variateur. On s'attaque maintenant côté embrayage. Alors de ce côté, c'est pareil. On utilise la méthode de son choix pour démonter l'embrayage. Je vous ai fait une vidéo sur ça si vous voulez aller la voir. Là, ce sera avec plaisir que je vous accueille là-bas. J'ai aussi fait une pièce de blocage en imprimante 3D. Si ça intéresse encore quelqu'un, vous pouvez aller voir le petit lien dans la description pour l'imprimer, c'est gratuit. Vous prenez une clé à pipe de 24 et vous desserrez. Oh, c'est toujours bien serré hein, l'embrayage. On enlève l'écrou, on enlève la cloche d'embrayage et on enlève l'embrayage et le correcteur de couple. Maintenant, pour démonter l'ensemble, comme vous le savez, il faut aller sur l'établi. Donc on y va. Alors effectivement, pour démonter l'embrayage, il y a deux ergots. On peut utiliser ces deux ergots pour le démonter. Là, on va utiliser un étau. Il ne faut pas serrer trop fort hein, si on ne veut pas abîmer l'embrayage lorsqu'on le démonte. Donc on cale en dessous. On prend notre pince multiprise et on dévisse. Donc on va le remplacer par notre ressort de poussée Poligny et nos trois ressorts d'embrayage. Hop. Bon, ça c'est assez simple. Et pour l'embrayage, eh bien, on va enlever les anciens ressorts et on va mettre les nouveaux. Donc on se munit de lunettes, on n'oublie pas. Dès qu'on manipule des ressorts, moi je prends des gants, on sait jamais non plus. Je vous avais montré une technique, je l'applique. Et on remplace par les nouveaux ressorts. On remonte l'ensemble. Maintenant qu'on a mis le ressort de poussée et les ressorts d'embrayage Poligny, on va repositionner l'embrayage sur l'arbre. Donc pour ça, pour mettre en place la courroie, on écarte les joues fixes et mobiles. On insère la courroie, on fait attention aux doigts. Comme on a écarté suffisamment la joue fixe et mobile pour avoir un peu de mou au niveau de la courroie, on peut enfiler tranquillement l'ensemble sur l'axe. On repositionne la cloche d'embrayage et l'écrou. Il ne reste plus qu'à bloquer en rotation l'embrayage avec un moyen de blocage de notre choix.
On prend une clé de 24, on serre l'écrou fermement et on enlève le système de blocage. Il n'y a plus qu'à faire les essais. Donc l'objet du test de la présente vidéo, c'était de regarder ce que ça changeait de mettre en place ce variateur et toutes les pièces qui sont intégrées à ce pack-là. Donc le ressort de poussée, les ressorts d'embrayage et les galets de 6,9 grammes qui sont vendus avec ce variateur. On a fait le test sur la route et grosse déception. Franchement, ça marche vraiment pas du tout. On a une vitesse de pointe moins bonne, on a une accélération moins bonne. Franchement, moi j'étais super déçu du résultat. Paulini vend ce variateur comme étant un variateur qui remplace celui d'origine avec des performances supérieures en pointe et en accélération. Bah, j'ai rien vu de tout ça. C'était vraiment décevant. Voilà, la vidéo est finie. Non, on va pas s'arrêter là, on va comparer autre chose pour voir si vraiment ce variateur vaut le coup. Pour comparer les choses à fond, moi j'ai remplacé le variateur Paulini dans un second temps par le variateur d'origine pour voir si on avait exactement les mêmes performances avec les mêmes poids et avec le ressort de poussée et les ressorts d'embrayage du kit pour voir si vraiment cette pièce-là avec la flasque mobile change quelque chose. Et avec cette configuration, on retrouve bien l'accélération du variateur d'origine, donc ça, il n'y a pas de modification. Par contre, la pointe, elle est un peu moins bonne. Hein. Pourquoi elle est un peu moins bonne? Si on réfléchit, on a changé le ressort de poussée. On l'a vu dans une précédente vidéo que vous pouvez voir ici, qu'en changeant le ressort de poussée par un ressort un peu plus dur, le poids des galets n'arrive pas à compenser ce ressort qui est du coup plus raide et on a une vitesse de pointe un peu moins bonne. C'est exactement le processus qu'on a ici. Hein. On a une vitesse de pointe un peu moins bonne avec un poids de galets qui n'est pas suffisant pour contrer la raideur du ressort de poussée. Malgré ça, on a des performances meilleures en accélération et en pointe avec le variateur d'origine avec des poids de galet équivalents. Donc c'est incompréhensible, on a l'impression que ce variateur, il vaut pas un clou. On a des performances meilleures avec le variateur d'origine avec les éléments qui sont vendus dans ce kit. C'est incompréhensible. On pourrait arrêter encore cette vidéo là en disant le variateur d'origine est plus performant que celui Paulini à 50 balles. Mais on va pas s'arrêter là. Bon, réfléchissons un peu, on va modifier les poids. Peut-être que le poids de 6,9 grammes qui est vendu avec le kit, c'est pas le bon. Malgré le fait qu'ils vendent le fait que le pack il s'adapte à un scooter d'origine. Donc j'ai pris deux poids de galet, j'ai pris des poids inférieurs, des poids supérieurs et j'ai fait les tests pour voir s'il y avait une différence et s'il y avait des meilleures performances. Pour faire ces tests, j'ai dû acheter en complément des galets programmables, mais de la taille des galets qui sont dans ce kit, donc c'est pas des 15 x 12, c'est des 16 x 3. Donc j'ai acheté un pack de galets programmables de cette taille-là pour faire varier les poids des galets. J'ai d'abord fait un essai avec des poids de galets de 7,51 g pour être exact, donc 0,5 g de plus par galet, et on voit que l'accélération, c'est à peu près la même qu'avec les 6,9 g. En revanche, la vitesse de poids est nettement meilleure. On gagne 3 km/h sur la vitesse de pointe avec ce variateur Paulini et avec des galets un peu plus lourds. Par contre, avec des poids inférieurs, donc à 6,5 g, on a une accélération moins bonne et on a une vitesse de pointe par contre meilleure à 4,5 km/h de plus qu'avec les 6,9 g. Bon, on obtient quand même des résultats meilleurs avec des poids différents en les faisant évoluer par rapport aux 6,9 qui sont vendus, mais c'est pas encore ça. On n'a pas des performances meilleures qu'avec le variateur d'origine avec des poids de 5,8 grammes. Donc, si on s'arrête là, ça vaut pas un clou. Franchement, je vous le déconseille. Mais on va pas s'arrêter là. On va faire changer un autre paramètre qui est vendu avec le pack. Qu'est-ce qui reste à modifier? Le ressort de poussée. Le ressort de poussée, j'ai fait un test de raideur. Par rapport à celui d'origine, il est 25% plus raide. Donc, on va tester avec le ressort de poussée d'origine pour voir si ça vient de là. Donc, je fais un test avec le variateur Paulini avec les poids de galets vendus avec ce pack, donc 6,9 grammes. Et là, j'obtiens des performances meilleures qu'avec celui d'origine. Enfin, l'accélération est similaire globalement à celui de l'origine, quoique un peu moins bon, mais c'est peut-être avec des incertitudes de mesure que je repère ça. Donc à minima, c'est à peu près égal à celui d'origine, donc pas de réel gain d'accélération. En revanche, en pointe, là, il y a une nette amélioration. Je gagne 4 km/h de plus avec les poids de 6,9 qui sont vendus avec le pack sur une configuration d'origine.
c'est pas mal. Pour en avoir le cœur net, je modifie le poids des galets. Peut-être qu'encore une fois, le 6,9 n'était pas optimal. J'augmente de 0,5 g chaque galet pour aboutir à 7,51 g. Et là, même phénomène sur l'accélération. J'ai toujours la même que celui du variateur initial, quoique un peu moins bon, encore une fois. Ce manque d'accélération est peut-être causé par le diamètre du canon qui est un peu plus supérieur. Qui dit diamètre de la polymotrice supérieure, dit un rapport de transmission un peu moins bon. Donc c'est peut-être ça, un petit peu moins d'accélération. Ça vient peut-être de ce phénomène. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris une dimension de canon plus importante. À part ça, en pointe par contre, avec ces 7,51 grammes, on obtient une vitesse de pointe supérieure de 6,5 km/h, ce qui est quand même pas mal. Si on continue d'augmenter le poids des galets, on obtient une vitesse de pointe à peu près identique, mais une moins bonne accélération. Donc 7,5 grammes, c'était, je pense, la valeur optimale. De toute façon, on le voit bien sur les traces laissées par la courroie sur le variateur. Avec le variateur d'origine, en faisant varier les poids des galets, j'ai jamais réussi à faire monter la courroie jusqu'en haut du variateur. Là, on voit bien que la courroie monte tout en haut du variateur. Donc ça montre que ce variateur exploite au maximum les capacités du rapport de transmission du variateur avec l'embrayage. Ce qui nous fait une vitesse de pointe quand même supérieure à celle d'origine de 6,5 km/h. Donc la conclusion de ce test, moi je dirais pas mal. Mais pourquoi pas mal? Parce qu'on obtient des performances quand même pas si mal avec un minimum d'investissement. Pour un pack variateur comme ça de marque qui vaut à peu près 50 €, je trouve que la performance qu'on acquiert en vitesse de pointe est pas si mal. Et associée à d'autres éléments sur le scooter, bah ça peut promettre des choses plutôt intéressantes. Mais par contre, il y a un gros mais. Moi, je trouve que pour une marque Polini, c'est un peu dommage de vendre un pack avec un ressort de poussée et des galets qui ne soient pas très bien adaptés à un modèle d'origine, puisqu'il est vendu pour un MBK Booster d'origine. Moi, j'ai un MBK Booster, donc j'aurais dû pouvoir mettre ce pack et ne pas faire de test ou d'essai particulier et que ça fonctionne parfaitement du premier coup. Donc là, moi, je suis très déçu. Le constructeur aurait quand même pu optimiser la raideur du ressort pour qu'il s'adapte parfaitement à une configuration d'origine et que ce soit le plus performant possible. Tout de suite. Donc deux choses pour avoir un kit Polini parfait, il faut augmenter un peu plus le poids des ressorts que celui vendu dans le pack et ne pas utiliser le ressort de poussée qui est vendu et qui est trop raide à mon goût. Je pense qu'ils auraient pu joindre à ce pack un ressort de poussée un tout petit peu plus raide que l'origine, mais pas celui à 25 ou 30% supplémentaire. Ça va pas, c'est pas adapté. Donc si je peux vous donner un conseil lorsque vous achetez un pack de ce type, peu importe la marque, c'est de faire varier les paramètres qui sont vendus avec le poids des galets, la raideur du ressort de poussée, parce qu'on n'est pas sûr que les constructeurs ils aient bien paramétré le kit pour qu'il fonctionne le mieux possible avec la configuration d'origine de votre scooter. Voilà, le test est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère avoir été complet et avoir répondu à vos attentes. Si vous avez le moins de commentaires sur ce que j'ai indiqué ou si vous avez la moindre question ou si vous estimez qu'il manque quelque chose, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez la moindre question, mais un peu plus compliqué à exprimer, dans quelques mots dans les commentaires, j'ai aussi un compte Instagram qui vous permet de communiquer avec moi, d'échanger des photos, des vidéos. C'est toujours plus simple pour communiquer. J'essaierai dans la mesure du possible de vous trouver une solution à vos problèmes ou à vos questions. Vous pouvez aussi indiquer dans les commentaires des idées de vidéos, des choses qui vous posent problème au quotidien. Je pourrais en faire un sujet futur pour des vidéos et en plus, je suis sûr que ça intéressera au moins quelques-uns d'entre vous. Je vous propose aujourd'hui, et c'est la première fois, de participer à un jeu sur cette chaîne. Ce jeu va vous permettre peut-être de gagner un carburateur 17.5. Pour jouer, c'est super facile. Vous commentez cette vidéo. Il n'y a pas de limite du nombre de commentaires et je tirerai au sort parmi les commentaires de la présente vidéo l'un de vous. Et c'est cette personne qui gagnera ce carburateur. Le carburateur, ce sera un 17.5 PHBN, voilà le plus commun utilisé sur les scooters, pour qu'il soit adaptable à tous. Je tirerai au sort le gagnant à la date que j'indique ici et à l'heure exacte que j'indique là. Voilà, pas une seconde de plus. Et je filmerai le tirage au sort et je l'intégrerai dans ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, plus vous commenterez, plus vous aurez de chance. Avant de vous quitter, je vous dis une nouvelle fois que vous pouvez laisser un pouce bleu sur la présente vidéo. Si vous n'êtes pas abonné aussi, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit logo ou en cliquant tout simplement sur s'abonner et en actionnant la petite cloche. Vous serez averti des vidéos que je poste en temps réel. Je vous remercie encore une fois parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Lorsque je vais poster cette vidéo, on sera pas loin, je pense, des 6000 abonnés. En 4 mois de chaîne, moi, je pensais pas arriver à ce rythme-là, à une audience pareille. Donc pour ça, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.